Ils peuvent pas trouver une ouverture plus facile, hein. Non, non, non. Coucou tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo pour la Birchbox du mois de décembre. Je suis en train d'essayer de l'ouvrir. Waouh ! Et pas facile. Pas facile de l'ouvrir. Oula, la belle pochette. Alors, je ne suis pas allée voir les vidéos des filles qui ont fait cette vidéo, car je voulais vraiment avoir la surprise de la Birchbox du mois de décembre. Pour info, vous avez vu qu'il y avait des vidéos sur ma chaîne, mais c'est des vidéos qui sont pré-enregistrées. C'est pour ça que vous me voyez un peu plus, comment dire, les cheveux en pétard, gay, et j'ai toujours mon attelle et la voix de... Voilà. Donc, c'est vrai que ça change. Alors, on y va ? Waouh ! Donc, Pretty Merry Christmas. On retrouve un petit livret. Donc là, il n'y a pas du tout de boîte. La boîte, regardez-moi ce que c'est. Une super belle pochette, velours. Elle est verte, hein. Elle n'est pas noire, voyez, là, elle est verte. Là, par contre, c'est noir et là, c'est doré. Magnifique, magnifique. Vraiment très belle. Derrière aussi, en velours. Et on va retrouver nos produits à l'intérieur. Donc voyons voir, voyons voir. Alors je regarderai après ce qu'il met dans le petit livret, parce que je n'ai pas envie de savoir. Et comme j'ai fermé les yeux quand je voyais parler de la Birchbox. Alors, premier produit que je sors, Skine & Co. Sicilian Body Gel, gel pour le corps avec extrait d'orange, sicilienne biologique et d'olive. Voilà, ça se présente comme ça. Je crois qu'il y a au moins facile le... Ouais, j'ai dit 50, il y a 60 ml. Oh, qu'est-ce que ça sent bon! Donc, je pense que c'est un gel douche. Alors, on va aller voir ce que le petit fascicule nous dit. Alors, bon, je vois un peu les produits, hein, mais bon. Alors, à la base, il vaut 17 € les 230 ml. Son parfum d'orange sicilienne est un réconfort à lui tout seul. Il se dépose sur l'épiderme, agrémenté d'une note épicée qui lui donne de la chaleur. Mais le vrai atout phare de ce gel douche, donc c'est bien un gel douche, c'est son pouvoir adoucissant et hydratant apporté par l'huile d'olive pour rester dans les veines des ingrédients made in Italy. Au fait, les oranges comme les olives sont bio. Ce produit est formulé sans parabènes, ni sulfate, ni huile minérale. Donc, comment l'utiliser en usage quotidien? Eh bien, je peux vous dire que ça sent super bon. Je vais le tester ce soir. Oh là là, cette odeur. Elles sont vraiment très, très, très bon. D'ailleurs, en parlant de produits, je garde tous les produits de la Birchbox que je peux utiliser, finir. Et j'ai pas encore vu ça sur YouTube, mais je pense que je ferai viens voir avec moi ce que je pense des produits de la Birchbox une fois fini. Sachant que vous pouvez retrouver les produits en full size sur donc le site de la Birchbox. Vous avez mon lien de parrainage, oui je fais la pub, hein, en barre d'infos. Et surtout pour celles qui n'ont encore jamais commandé la Birchbox, pensez à passer par iGraal, où vous avez mon lien de parrainage aussi en barre d'infos. iGraal, donc du coup, vous commandez votre Birchbox, vous installez iGraal, vous commandez votre Birchbox, 1, 2, 3, Birchbox, et ensuite vous aurez du cashback. Nickel. Et rentrez mon lien de parrainage en plus dans la Birchbox. Voilà. Donc je ferai ce style de vidéo là, car j'ai trouvé vraiment des petits trésors depuis que je la prends. Là, je suis vraiment contente. Comparé à la Glossy Box, c'est vrai que là, la Birchbox ne me déçoit pas. Deuxième produit. Oh, je connais pas. Je connais pas du tout. Qu'est-ce ? Shampoing quotidien qui renforce pour les cheveux colorés. Ouais, nickel. C'est pris en compte au moins le profil. Alors, c'est, je pense, Kevin Murphy. Je connais pas du tout, c'est trop top quoi. Balancing Wash, 250 ml, il vaut 24,90 €, maman. Ah.
Alors, Kevin Murphy, c'est le spécialiste australien du cheveu, un pro qui sait travailler et soigner chaque type de cheveux en fonction de ses problématiques. Ce shampoing spécialement concocté pour les cheveux colorés est un cocktail botanique ultra doux qui donne de la vitalité et de la densité aux cheveux et les nourrit en profondeur. Une hyper spécialisation qui va révolutionner la vie de vos cheveux. On shampooine, comme d'habitude, on masse. Pardon. On fait suivre d'un après-shampoing, idéalement Hydra Me Rinse. Donc il y a aussi un après-shampoing qui est vendu, je pense, sur le site, j'irai voir sur la Birchbox. Mais là, déjà le packaging, enfin, c'est pas courant qu'on soit un shampoing comme ça. Donc pareil, je vais le tester parce que, ben, je vais voir l'odeur. Ça fait en forme de lait. L'odeur n'est pas courante. Alors, je fais pas de bêtises, vous voyez. L'odeur, elle n'est pas courante. Je ne sais pas comment je pourrais. J'ai l'impression, et je ne sais pas, parce que je ne sens pas spécialement bien, mais qu'il y aurait un peu de lavande. Je ne suis pas sûre. Je vais aller voir sur le site. De toute façon, je vous remets tous les produits en barre d'infos. Là, déjà, les deux produits, nickel. Autre produit, Aven. Alors, Aven, moi, j'aime. Ça, voilà, tous leurs produits, j'aime. Aven Hydra Optimale Légère, crème hydratante, peau sensible normale à mix. Et ce qui est bien, c'est que je commence à garder les petits échantillons aussi comme ça. Et du coup, Lily, des fois, elle a la peau qui tire le soir quand elle se lave le visage. Et ça lui permet aussi de l'utiliser. Peter Pan qui me pique mes produits aussi. Alors, ce produit-là, il est à la base 40 ml. Il vaut 13,80€. Les laboratoires Aven ont imaginé une crème hydratante intelligente, à la fois purifiante et apaisante, qui laisse une sensation de confort exceptionnelle. Donc je vais quand même la tester quand je vais me laver le visage, voir justement ce qu'ils disent. J'ai jamais eu cette crème-là. Quand ils parlent justement, bon, purifiante, on va pas trop s'en rendre compte, mais surtout le côté apaisant quand on a l'eau et le calcaire une fois qu'on a fini de se rincer à l'eau. C'est vrai que je suis obligée, moi, de repasser une eau derrière ou un tonique, quelque chose pour m'apaiser, mais tout de suite, voilà, ma crème. Alors, il y a deux actifs dedans. Méibosérine, oui, si tu veux, et lipomucine, je ne connais pas du tout. En fait, ça assure l'hydratation au niveau de la peau, tandis que des capsules séboabsorbantes matifient le teint. Bah, dis donc, on en apprend des choses, hein. Donc, voilà. Alors, matin ou le soir, donc c'est très bien, moi ça va être le soir, je vais la tester le soir. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Ce serait un mascara liquide Hey Anon, un eyeliner black de la marque Eco London Fat. Je ne connais pas du tout non plus. Alors, qu'est-ce qu'ils nous mettent? 3,5, donc je pense que c'est full size hein, celui-ci. C'est full size, il vaut 12€ ce produit là. Si vous êtes comme nous à la recherche de l'eyeliner parfait pour faire ressortir Audrey Hepburn, non, moi c'est plus Marilyn Monroe qu'elle va me dire, hein. En vous, vous allez être comblé. Spécialiste british du trait de liner, Eiko a imaginé ce feutre qui va vous rendre l'application hyper easy, donc hyper facile. Sa mine rigide vous permet un tracé précis et épais à la fois. Vous glissez à la lisière de la paupière et obtenez un résultat sans bavure longue tenue. Donc je demande à voir parce que moi vous savez que c'est le mascara et le eyeliner mes produits préférés. Donc c'est exactement comme le feutre de chez L'Oréal que j'avais déjà testé. Et faut vraiment savoir quand même manier un peu le liner pour pouvoir utiliser ça. Hop. Et le dernier produit. Alors, il y a un film, c'est un rouge à lèvres. On va défaire ça. Alors, ouais, j'ai mis mon ciseau de la marque. Modelco, trio lipstick couleur essentielle. C'est au prix de 17€ quand même. Je ne connaissais pas non plus cette marque-là. Là, ça a été vraiment une box que de découverte. Alors, j'essaye d'enlever. C'est pas facile, d'une main en plus. C'est vraiment bien ficelé. Hein. Ça y est.
Alors, crème à l'application, mais avec un fini mat très pigmenté, ultra longue tenue. Voici le rouge à lèvres qui doit vous accompagner pendant les fêtes. Pour le nouvel an, il restera bien accroché, même après votre troisième coupe de champagne. Ils veulent qu'on se bourre la gueule, là, Birchbox. Oh, et vous pourrez embrasser qui vous voudrez. Ouais, ça c'est cool par contre, hein. À minuit, sans perdre votre splendeur, les gourmands aimeront autant que nous son odeur de coco. Alors, c'est la teinte Modelco Kitty. Donc, c'est un rose. Ah bah, même pas. Quand on l'ouvre, ça fait pas du tout rose, ça fait plutôt un nude. Un nude, ça fait même marron. Alors, c'est vrai qu'il glisse. Hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Crémeux, avec un fini mat. Voilà. Maintenant, à voir s'il tient bien sur les lèvres. Donc, moi, je vais le tester, bien sûr, avant les fêtes. Hein. Parce que moi, les fêtes, en général, je mets du rouge. Oui. Du rouge ou du nude, bois de rose, si je charge les yeux. Voilà. Donc, ce produit vaut 17 euros. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Nous savons que vous avez gardé une âme d'enfant et que vous aimeriez qu'on vous fasse des surprises tous les jours. Voilà pourquoi en décembre, nous avons imaginé le calendrier de l'Avent de vos rêves. Chaque jour, un cadeau à gagner. Donc, je pense qu'il faut aller sur le site de la Birchbox pour ça. Donc, vous voyez. Hein. Ensuite, on retrouve comment appliquer le eyeliner, là qu'on a eu. Au niveau... Ah, c'est dommage. Eh ben, il y avait un bordeaux et un rouge vermillon dans les rouges à lèvres. Eh ben, j'aurais préféré. Là, j'ai le rose baby. Ouais. J'aurais préféré soit là ou soit l'autre. Et c'est celui-ci que j'ai eu. Bon. Ça fait une belle découverte quand même. Alors, ensuite, on peut fabriquer nos box si on n'a pas d'idée. Si on a des jeunes filles, des ados, qu'on veut leur faire découvrir la Birchbox. Pourquoi pas si on est tata, marraine... ou même maman ou autre. Et ce que j'aime bien, c'est que la Birchbox, justement, sur leur site, ils font la fabrique à cadeaux. C'est-à-dire qu'on choisit la couleur de notre coffret, on glisse 4 mini-produits de nos choix, on ajoute une carte de 3, 6 ou 12 mois d'abonnement et on dépose le coffret sous le sapin. Ça, c'est une super bonne idée de cadeau. Et ensuite, coming soon, janvier 2016, nouvelle année pour un nouveau départ. Pour bien commencer l'année, la box change. Et nous vous réservons de nombreuses surprises. Alors, ils mettent deux bleus, un bleu ciel, un bleu foncé. Voilà. En tout cas, moi, cette Birchbox, je peux dire, j'en suis contente. Au niveau du packaging, je trouve ça vraiment très original. Ça fait vraiment très fête. Ce qu'il y a à l'intérieur, à part les trois produits de soins, mais le eyeliner tout à fait pour se maquiller avec le rouge à lèvres. Bon, après les couleurs, hein, on ne peut pas les choisir, on va faire notre make-up en fonction. Après, c'est vrai que les trois produits, bon, ça ne faisait pas spécialement au niveau de Noël, mais moi, je trouve que c'est des produits pour moi découvertes que j'aime. En fait, je suis vraiment contente. Je vous assure que là, ça fait 3 mois que je la prends. Et je n'ai pas été déçue en 3 mois. Là, franchement, chapeau. Hein. Autant, je vous dis, la Glossy Box, des fois, j'en rigolais. Parce que, bah voilà. Mais là, non, je suis vraiment contente. Et puis, bon, ça fait son effet. Et puis, voilà. Je trouve ça vraiment top, quoi. C'est vraiment génial. C'est original. Enfin, ça sort de l'ordinaire, quoi, de ce qu'on peut voir. Parce que j'ai vu la vidéo de Laureline qui a reçu la Glossy Box. Et ben, mon Dieu, quoi. Il n'y a que la boîte qui est belle, mais sinon, tout le reste, c'est pas top. Donc, je suis vraiment contente. Bravo Birchbox pour le mois de décembre. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve bientôt pour l'ouverture d'un colis. Smile and Zen.